Bonjour à tous, je suis en compagnie de Yuni et Asdark. Salut à vous tous. Salut. Salut. On commence en fait une aventure suivie, ayant pour but plusieurs objectifs que l'on va énoncer plus tard. Et voilà, hein, c'est le plus gros qui a été dit, hein, on va dire. Ouais. C'est survie en gros quoi. Oui. Ouais, survie et un peu délire en même temps. C'est surtout une vidéo comme ça pour passer le temps quoi. Ouais, voilà. Bon, tu fais quoi? Moi je tue les moutons. Moi, je plonge. Moi je prends du bois. Non, je rigole. Thierry, je sais pas moi. Prends du bois et commence la pierre. J'aurais plutôt pensé, je commence à faire des plantes. Attention. Regarde-moi ça. De quoi, t'es où? Regarde-moi ça. Et on habite là-bas. Oh, là. Wow. Ah, stylé. La vache. Vas-y, on habite là-bas. Attends, je dois reprendre le bois. On fait une maison suspendue? Bah, au pire, on fait des vitres, tu vois, devant, dans l'avant, tu vois, du truc, de la montagne. Ça fait vaisseau spatial. Oh, un mouton brun. J'en avais jamais vu, je connaissais les noirs, mais les bruns, non. C'est vrai qu'il y en avait des roses. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais si, 1% d'apparition. Il faut Oh, il y a du combien? charbon. Faut combien de laine pour faire 3 lits? 8? 3. 3, 6, 9. Voilà. Alors, Oh putain. le repère. Qu'est-ce qu'il Il y a un mouton qui est tombé de la montagne. y a? Le repère, Tom, c'est là où Thierry il est là-bas. Tu vois la sorte de truc qui monte? Juste à côté de lui, bah c'est là-bas le repère. Un truc qui monte. Là où il y a Thierry, c'est le repère. Bravo, il se fait déjà défoncer. Ouais. Eux aussi. Et cette fois, on fait ça J'ai une laine correct. blanche. Bravo. Enfin, bravo. Il me voit. Ouais, une pomme. Au juste, on fait quoi? Une aventure suivie ou juste une vidéo délire? Les deux. Les deux. Ok. C'est suivi, mais en même temps en délire. C'est. Enfin, c'est du survie, mais en délire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Non. Ah bah bravo. Ah mais punaise, en plus il est coriace. Vas-y là. Tu veux pas Allez. faire long feu avec moi mais. Voilà, c'est bon, j'ai 9 laines. Enfin. Et elle est où ma plantation? Enfin mes graines quoi. J'ai 9 laines. J'en ai une. Bah ça fait 10. Ça fait beaucoup. J'adore ton skin, Thierry. Plein de flèches. Moi j'en ai une. Bon bah on va escalader. Va falloir illuminer un peu tout parce que sinon ça va repop. Ouais. Matsanik. Il est plein de flèches. Qui? Toi, t'es plein de flèches, mec. T'as vu ça? Attends, faut que je vois ça de plus près. Oh Non. bordel. Mais t'as fait quoi? Ça vous dit on creuse là dans la paroi pour faire un petit abri? Oh. Un petit quoi? Un petit abri pour la nuit au moins. Bah Et attends, pourquoi pas ici? Fais le tour. bah attends, j'arrive. En tout cas, ça gère. Ici. Je la pas un poil. Ah! Regarde, ici. Oh, mais c'est déjà tout pré-créé, c'est déjà cher. Regarde ça. Oh, comme c'est plat, j'ai jamais vu un truc aussi plat de ma vie. 2 secondes, je récupère juste le charbon. Et Jerry. T'es plein de flèches. Y a personne. Trop tard. C'est parce que je me suis fait avec un archer, tu
Ah, Venez. Ah, ils disparaissent, merde. Mais comment t'as fait pour survivre? Eh bah... ben... Oh, t'en as une plantée au bon endroit. Tu verras, mec, sur la vidéo, c'est excellent. Attends, je tourne-toi. Je vois aussi en F5. Regarde, Tom. Il en a une plantée juste au bon endroit. Tu la veux? Tiens-la, moi, s'il te plaît. Je peux pas, moi. Ah ouais. Et... Bon, on le fait l'abri. On habite ici, hein. Vas-y, je mets un arbre. Faut en fait qu'on aille dedans, carrément. C'est qui a une pioche? Moi, j'en ai deux. Voilà, j'ai fait des arbres. Ils m'ont poussé. Bah alors, vas-y, rentre dedans. Et essaye de faire comme si, tu vois, un genre... comment te dire? Un escalier en accordéon, comme ça. Pour monter en haut. Et on va faire toute la maison et on va mettre quelques trucs de vitres, comme ça, on va pouvoir voir... En plus, Thierry, regarde là-bas. Oui. Regarde ce qu'on voit là-bas au bout, là, sur la montagne. Ah ouais, de la lave? Ouais. Là-bas, oui, c'est un biome jungle, si tu veux. Non, non. J'aime pas trop les biomes jungle. Tu te penses à quoi? À un fail. Ah. Hé, hey, punaise. Prends mes arbres, ils s'enlèvent. Oh. C'est ouvert. Oui. Ah, ils ont besoin de lumière, les arbres, c'est vrai, non? Oh. Ah. Où ça, c'est ouvert? Là où je creuse. Qu'est-ce qui est ouvert? Ah ouais. Par contre, j'ai entendu un squelette, ouais, je sais, ils sont en bas. Là en bas? Hein? Ah, moustique. Bah, au pire, voilà. Ici, c'est déjà pas mal pour la nuit. Ouais, on va se faire déglinguer de tous les côtés, c'est pas mal. Mais non. Mais non, regarde. On bouge là. On met une torche là. Ah, les torches, t'es un génie. Ah bah excuse, hein, j'avais 16 de charbon. Et je peux encore en récupérer là-haut. Laisse mes arbres. Ah, tu fais tes plantations, toi. Hein. Oh! Fallait pas venir sur moi. Bah oui, mais j'ai pas de... Ah si, j'ai du bois. Suis-je bête? Moi, j'ai plus de bois. Hein. J'ai tout cassé. Méchant. Ah ouais, attends, on rentre par où? Charbon. Ah bah, c'est toi qui appuie. Ah ouais, par là. Il y a du charbon qui tombe. Donc si jamais je la ramasse pas comme celui-là, bah, je vais pas récupérer le. Ça passe les araignées là encore. Faut encore un petit cube. Voilà. Moi j'améliore notre abri. Hein. Ah, et voilà. Autre chose qui pousse. Non. Pousse ça, putain. Ouais. Ok, on l'améliore. Et voilà, là ça va mieux là, non? Par contre, quelqu'un a mangé parce que. Non, j'ai rien à manger moi. Je voulais justement en faire moi. Des plantations. J'ai des graines si tu veux. Ouais, vas-y. Vas-y, ouais, passe. Non. J'en ai juste une. Comment on lance déjà? Je sais pas, c'est E, X, W. Ah, GG, c'était E. Vas-y, moi, j'ai avec Thierry pour voir. Ah, ok. Thanks. Bah, bravo. T'as eu mes arbres. Ils vont pousser, là, normalement, non? Ouais, mais il manque de la lumière. Bah, le jour, ça va aller. Non, j'ai mieux. Moi, je reste dans l'abri, histoire d'agrandir. Voilà. Avec un peu de chance, je tombe sur du fer ou autre. Et ça va donner quoi, ça? Des melons? Non, du blé. Du blé? Ok. Ouais. Vas-y, ouais, éclaire un peu pour pas que ça spawn juste à côté, quoi. Ouais, mais Thomas, il a le reste. C'est bon, ça suffit. Bien, on va s'aventurer là-dedans. Alors, qui veut du fer? Bah, tout le monde peut-être. Alors, déjà. Fais gaffe, là en bas il y a des squelettes. Ouais, tu les entends. Juste non, pour info, pour que les arbres ils là-bas, poussent, il faut mettre une torche. J'en ai mis. Viens, Tom. Pour que les arbres ils poussent, faut mettre des torches. Hein. Bah, c'est fait. Wow.
On se fait tirer dessus par où là? C'est Thierry en bas. Moi je me suis trouvé une planque. Ouais. Pas assez éclairé à mon goût. Oulala. Ah voilà. Moi je suis protégé. J'ai peur tout seul. Voilà. L'idéal, ça serait qu'on fait la mine sous la maison directement. C'est ce qu'il y a là, non? Ouais. Pas besoin de se faire, hein. Regarde, on le voit, il travaille d'acharne pied ou je sais pas quoi. Là. Voilà, magnifique. C'est quoi ça? C'est dame, tu fais... Oh, des fenêtres. Ah, on est bien chez nous, hein. C'est un peu petit. Moi, je dors ici. Dans mon coin. Et j'ai récupéré ton... Mon fémur. T'as mon fémur. Tu veux pas que je te le remette? Attends. Pourquoi vous avez fermé totalement? Laissez au moins une ouverture. Tu vas voir, je vais te faucher la tête. Et ouais, comme ça, on pourra te mettre là, contre le mur. Qu'est-ce que t'en penses? Le mouton, il bouffe tes arbres. Mais non. Si, regarde. Nick, pousse-toi. Je le vois pas, le mouton. Je vais lui déglinguer la tête, attends. Voilà, sortie de secours. Ouais, moi, je vais lui déglinguer la tête au mouton. Bon. Il y a un zombie. Attends-moi, t'as capturé un mouton. De toute façon, on peut pas faire les lits, il nous manque le bois. Ouais. Non, j'ai du bois. T'en as combien? Bah, beaucoup. Bah, come on. Attends. J'ai un ami. Voilà, c'est bon. Ah, tu l'aimes pas beaucoup, ton ami. Ouais, mais... Je préfère qu'on reste ennemis, alors. C'est l'amour fou. Oh, il détruit tes plantations. Non. C'est bon, je le maltraite. Ah. C'est moi que tu maltraites. Oh, regarde, il commence à pousser déjà. Oh. Tu veux que je te montre la magie du pouce? Non. Bravo. Comment ça se fait que t'as déjà tout ça, toi? T'as tué un squelette? Ouais. Oh. Fais pousser mes arbres, ça va être utile. Bah non, trop tard. Bon, vas-y, tout le monde dans la maison, on fait déjà les lits, tout ça. Ok. C'est Nico qui met les draps. Mais... Je veux pas, moi. T'as une nouvelle bois, Nico. Décidément. On fait des... Qui dort dans le lit double avec moi? Ou alors on fait trois lits séparés. Oh, mieux. Non, faut pas les mettre contre les murs, sinon on meurt. Oh, excellent. Je dors à côté du four, c'est le plus chaud. Là, mais... Ouais. C'est deux secondes, alors. Hein. Mais non, regarde, tu vois, si je suis pas mort. Oui, mais quand on va tous être couchés, les mobs, ils vont spawn parce qu'on est contre les murs. Mais non. Mais si. Mais il y a de la lumière, ils vont pas spawn. Même. T'es sûr? Certain. Il va faire jour, bientôt. Alors c'est bon, pas la peine de dormir. Si. Pour sauvegarder. Allez. Attends, on va t'aider. Vas-y, mets du bois partout. Comment t'as fait pour les faire péter en un coup, toi? Il les a pas pété en un coup. Et y en a un qui a disparu. You may no rest now, Zagar Monster Nerby. Ah bah casse-toi, Thomas.
Ce bête est occupé. Et il est où le dernier lit? C'est pas moi qui l'ai. Tom. C'est pas moi. Vous êtes beaux tous les deux. Je l'ai pas, c'est toi qui l'as le lit. C'est toi qui l'as, Nick. Mais non, je l'ai pas. Thomas, ah. Salaud. Voilà, moi je dors là. Moi il veut pas, ah si. C'est bon? Y'a tout le monde qui est au lit? Ouais. Ah bah maintenant on peut sortir. Ouais. Bon, j'ai passé une bonne nuit. Alors. Vas-y, fais le café. Francky, t'es où? Elle est où, Jeanne? Jeanne! Moi, je propose Jeanne. Qu'on aille récupérer du bois. Moi, je propose on va choper du bois et on va choper de la bouffe. Il est tombé où, lui? Hein? Vas-y. Une base souterraine, la classe. Allez, go. Faudrait pas faire un truc histoire de pas se perdre. Mais. Nick, t'es où? Tu fais le bois déjà? Ouais. Moi, Sam, je retiens l'arbre qu'on voit tout là-haut, c'est chez nous. Où ça? Là-haut, tout là-haut, là-bas. Ah ouais, pas con. Ah, tu vas carrément avec le fémur, toi. Je veux pas me casser les mains. Tu fais quoi, toi, Thierry? Putain, arrête de... Sois sérieux, un peu, merde. Hey, tu me voles tous les bois. Tu fais quoi, toi, Thierry, sérieusement? Bah, je plante. Ah, tu fais des plantations? J'essaye de faire 1000 plans. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Ça nous fera du pain. Donc, Ok, on peut pas plus haut. Moi, je vais me faire une hache en pierre. Ça sera toujours plus utile. Tu veux que je t'en fasse une ou pas, Nick? Si t'as de quoi la faire vite fait, oui. Surfait un établi que je garderai portable. Alors j'ai dit quoi, une hache? Ouais, hache en pierre. Hop. Tiens, t'es où? En train de couper du bois. Attends, je te la donne. Ah, une araignée. Alors. Hache, pelle et pioche. Voilà. Récupérez les pousses aussi si vous pouvez. Comme ça, on se fait du bois près de chez nous. Genre. Ouais, ouais. Oui.
Il où le tronc de cet arbre? Il a déjà été coupé. Ah, j'ai des trucs de cacao, je sais pas quoi là. Fève de cacao? Possible, ouais. C'est utile. Pour faire des cookies, je crois. Oh merde, j'ai faim. Moi aussi, t'inquiète. Je vais me faire le cochon en haut là. Moi je me fais une vache. Ok. Une vache. Oh, t'es un coquin toi. Bah il y a comme témoin des moutons. Au pire. Oh, bah tiens, de la canne à sucre. Oh, j'ai encore entendu une vache. Elle est où? Je l'entends mais je la vois pas. Dès qu'il finit. Ah bah elle est dans un trou. Dès qu'il fait nuit, tout le monde. Ouais, en fait, truc. on a de la bouffe. Ouais. Ok. J'ai une tranche de porc. Voilà, on va aller. J'ai 5 tranches de côtelettes de viande de bœuf. Non, voire même plus. Je vais me faire celle-là encore. Ouais, encore plus. Ça serait bien que les moutons ils donnent de la viande aussi. Ouais, bon, faut pas trop demander non plus. Hein. Ou encore moutons, du lait. Du lait, ouais. Comment on fait le lait déjà? Faut un seau et le. Ouais. Faire clic droit sur une vache. Oui. Ok. Il faut bien cliquer de seau à l'endroit. J'ai entendu un cochon, mais il est où? Moi j'entends des moutons partout. Ils font tous mais non. Ah bah tiens, encore une vache. Non, deux vaches. Trois vaches. Oh, c'est le festin là. Oh, moi je m'éloigne pas trop. Je retourne dans la base. Hein. Cinq vaches. Enfin, quoi que non, on a encore un peu le temps. Eh mais j'ai une idée. On va faire un élevage de vaches. Vas-y, hein, si tu te sens capable. Mais ouais, et deux moutons. Allez, venez, venez. Faudrait plus un élevage de cochons et de vaches. Faut prendre vaches, de l'herbe en main, je crois, pour attirer les. Oui, j'en ai du blé. Non, c'est du foin. Pareil. C'est du blé. Ça revient au même. Allez, viens là, la vache. Regarde-moi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Maintenant, il y en a une autre qui me regarde plus. Je suis un peu entouré de moutons aussi. Bon, moi je suis à côté de la lave, je vais essayer de choper le charbon. Hein. Ouais, oh, araignée, elle est où? Elle est là en bas, je pense. Elle m'a bien foutu la trouille. Bon, je finis mon emplacement là et je retourne à la base. Il reste combien de temps? On a encore un petit peu de temps. Moi, de toute façon, j'y retourne avec des amis. Oh, ça tombe bien en plus. Elle est finie ma hache. Des fleurs, ça intéresse quelqu'un? Ouais, ça peut toujours être utile. Ouais, il y a un arbre qui a poussé. Il y a un arbre d'homme qui a poussé. Ouais. Cool. Merde, je suis tombé dans un trou. Quelle bolosse. Vite, faut que je sorte de ce trou. Il y a des zombies. Hop. Vite. Vite.
Je sais plus où on habite. Sérieux? Je me trimballe avec des vaches et tout ça. T'es vers où? Y a un arbre sur le truc en haut, mais je sais pas si c'est à nous. Si. Là où il y a une toute grande colline avec un arbre tout en haut. Ouais, peut-être. Dirige-toi vers ça. On est juste en dessous. Enfin, on habite juste en dessous. Attends, je vais en hauteur pour essayer de te voir. Mais il y a une vache maintenant qui me suit plus. Bah si. Ah, mon écran. T'es parti jusqu'où toi, Thierry? Je sais pas, je vois un biome jungle, ça me fait peur. Biome jungle? Ouais. T'es vers le biome jungle ou tu le vois de loin? Juste à côté. Bah vas-y alors, attends, je sais où t'es. À peu près. Couche. Biome jungle, ok, t'es vers là. Dirige-toi vers la colline où il y a l'arbre. Mais il y en a plein qui ont des arbres. Mais la nôtre, elle a que un seul arbre. Mais oui, mais surtout s'ils ont un arbre. Ouais, punaise, Thierry. Heureusement qu'on a dit prends des repères. J'en ai pris. Ah ouais? Ouais. Ah bon, je t'ai passé juste à côté. Thierry. Non, mais en fait, je suis juste là. Où? Je crois que je suis juste à côté. Ah bah, je te vois pas, moi. Oh, je sais pas. On fout. On n'avait pas dit une fois que la nuit allait tomber, on retourne de la planque? Si, mais je suis à côté, moi. C'est Thierry qui est tout loin. T'es où à côté? Ouais, ouais, toi, t'es là-bas. Mais chez moi, c'était juste à côté, j'étais juste à côté. Oh non, mes vaches, elles se barrent. Hey, revenez. En sortant de la planque, Thierry, t'es allé à gauche ou à droite? Tout droit. Tout droit. Ouais, tu sais, je suis sorti par la grande porte. Je suis allé tout droit, il y avait des arbres et tout ça. C'est cool. Putain. Oh, t'as fait une porte, Tom, GG. Bah ouais, moi je traîne pas généralement. Hein. À part Thierry là qui est avec ses moutons et compagnie je ne sais où. Ouais, attends, je ramène aussi un squelette. Nick va pas trop. Oh bah il est mort. Ah bah bravo. Bah c'est bon, moi il est à la maison maintenant. Non. Bah normalement si, c'est ton point de sauvegarde. Oh mais ça mange pas, je sais pas pourquoi. Attends, je vais niquer ce fils de squelette. Tiens, mange ça. Comment il l'a mangé? De toute façon, je sais où on habite. C'est par là, je crois. Moi, j'ai fait quelques charbons de bois hein, ouais, pour les torches et compagnie. On l'utilisera surtout pour faire la bouffe. Bon, là, mon ordi, il commence à l'avoir marre. Le casque-ci, a priori. Putain, mais elles font chier, les araignées. Désolé du gros mot, mais... Oh non, maintenant, encore un squelette. Mais... Tu te déconnes. Tu viens de tirer ou pas?
Ouais, je sais, mais il y a mes vaches qui se tirent, et puis après, il y a un squelette qui vient, hein. Une araignée, tranquille. Je viens de boire l'apéro. Ça va, en fait, si on garde 5 heures quand on a la dalle, c'est bon. Perso, j'en garde 4. Ouais, c'est qu'il t'en reste 4. Ouais. Tom, arrête ces bruits de micro, s'il te plaît. Ouais, mais moi, je sais plus rien. C'est le casque qui fait plus que un côté seulement. Bon, Thierry, tu viens ? Je sais. Mais c'est bizarre parce que le truc a un arbre, je l'avais. Je le vois pas, moi. Je pense pas. Putain, mais casse-toi pas la vache là. Vas-y, reviens. Viens, j'ai de la manger. En plus, moi, je peux pas voir très loin, c'est ça qui est chiant. Tom, tu sais faire des clôtures ? Des quoi ? Des clôtures. Ouais. Prépare-les déjà pour l'enclos. Ok. Faut du bois. Il y en a tout plein. Non, mais la vache, elle me regarde même plus à force. Ça me pète les couilles, ça. Attends, non. Oh, il en faut quand même pas mal, hein. Ouais. Voilà, j'en ai 34, ça suffit, tu penses ? Ouais, bah vas-y, fais-le. Vas-y. Je la mets où ? Bah, là. Faudrait aménager avec de la terre un peu. Attends, j'ai un planis, là. Non, mon arbre ! Juste l'arbre, là, ici, poussera jamais, y a pas de place. Là, il est bon. Il faut de la lumière, hein. Ouais, ouais. Oh, il y a un trou là. On peut pas creuser là. Oh, le trou. Ouais, non, on peut pas creuser ici, Nick. Bon, on a plané encore là. Est-ce que l'arbre il est sur une colline ou... Tout en haut, c'est une toute grande colline, une montagne même. Ouais, peut-être. Ah si, ouais, en fait j'étais juste à côté depuis toujours avant. J'en ai juste en fait en rond. Putain, ah oui, tu l'as déjà dit avant ça. Bon alors, je le fais partir là. Putain, l'Enderman il me fait chier. Voilà, et tu ramènes vers là. Là, jusque là, jusque là, jusque là. Jusque là. Là, jusque voilà. Okay. Tu fais un petit rond comme ça, hop. Finalement, l'arbre il aura plus de place ici. C'est bon, je suis là. Ok. Et en fait, je suis arrivé au début du jour, oui. ouais, mais je te vois pas, moi. Sors. On est dehors. Près de ma plantation. Ah ouais, il est là, il est là. Ah ouais. Putain, mais y'en a qui se cassent, vas-y viens. Ah, tu ramènes l'Enderman. Hein? Tu ramènes même l'Enderman. Ah, celui-là il m'avait fait chier, oui. Je vais faire une porte de l'enclos. Regarde là, on t'a fait l'enclos, Thierry. Tiens. Oh là là, je rame, au secours. Ah voilà, c'est bon. Ah non, il s'est cassé la gueule. Merde, je viens de nourrir le... Je sais pas qui. Bon, pas grave.
Comment on fait une porte d'enclos, je me rappelle plus. Mais non, mais c'est qui les attire là, parce que ils me suivent plus. Attends, la vache elle est coincée. Voilà. Et saute. Oh là là, les vaches quoi. Ils sont aussi intelligentes que toi, Thierry. Oui, je sais. Bon, ramène déjà. Voilà. Ah, voilà. Et là, elle se casse la gueule. Elle est nouveau bloquée, elle est nouveau bloquée. Voilà, la porte, elle est ouverte. Non. Ah, il y a la vache qui se barre. Oh, il y a du fer ici. Bah oui. Et puis avant, je l'ai dit. Allez, viens. Oui. Oui. Ah bah Nick, en fait, là où on creusait, c'était pas grave. Oui. Vas-y, je ferme la porte. Je me prépare à fermer. Mais mets-les dans l'enclos, nom de Dieu. Eh. Oh, pute. Salope. Allez. On n'avait pas dit pas de vulgarité. Envers les animaux, ça compte pas. Oh, y'a le mouton. Le mouton. Oh, il y est presque. T'es sûr qu'ils peuvent passer une porte? Ouais, mais je sais pas, ils me regardent plus. Vous les stressez. Regarde, celui-là, il a peur. Il a peur. Ah bah non. Vas-y, rentre. Oui. Oui. Mais le mouton, il le fait chier, là. Voilà. Vas-y, rentre. Oh oui. Il y en a une qui est rentrée. Vas-y, la deuxième. Je retiens le mouton. Mais la deuxième, elle veut pas passer. Vas-y, je la force. Vas-y. Tire là. Mais je fais que ça. Ouais, elle est dedans. Regarde. Bon, on en a déjà deux. Bébé. Faites bébé. Ouais. Oui. Bébé vache. Attends, shoot le mouton. Ouais. Vas-y. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Mais là, je suis bloqué. Non, faut juste les sortir, Mais le mouton, il sert à rien. Si, tu le tombes. Oui. Oh, ça peut encore pousser. Bref, je fais un saut histoire d'avoir de l'eau, non? Toujours utile. Ouais. Faut toujours garder une vache, hein. Une vache et un enfant. Enfin, faut toujours deux vaches, quoi. Bon, on a de quoi récupérer de la lave ou de l'eau, hein. Ouais. Ouais, j'ai fait un saut. Ah bah, on peut même faire du lait, tiens. Coquin. Je fais du lait ou pas? Ouais, comme tu sens. Je vais me chercher vite fait ma tisane, mais je vais me déconnecter à 21h30 puisque je suis trop fatigué. Ouais. On a un seau de lait. Ouais, ce matin, mec, mais j'étais limite même pas en mesure de bosser. Je dormais quand je faisais les tartes. J'étais là. Tu fais une tarte et tu te prends une tarte. C'était monsieur jeu de mots. Non, c'était pourri, mais j'aime bien rigoler. Non, mais j'étais vraiment... Mais mort. Je sais même pas pourquoi. Hier, je regardais jusqu'à 23h le film, parce que après, je me suis dit, sinon je vais plus dormir. Et puis en fait, j'ai plus dormi. Donc j'aurais pu regarder jusqu'à la fin. C'était quoi déjà, Pirates des Caraïbes? Ouais, le coffre. On me dit. Thomas. Ça allait encore, mais par exemple, quand tu vois, ils étaient sur la petite barque et derrière t'avais le ciel bleu, ça se voyait trop que c'était un montage. Ça, ils l'ont mal fait. Parce que tu voyais la luminosité, elle était pas la même. Ça, ils ont pas réussi. Et ça, je leur en veux. Je vais les attaquer en justice. En fait, je reviens.
Voilà, c'est aménagé à l'intérieur. Ouais. Magnifique. Bon. On fait quoi maintenant? T'as une idée de ce qu'on peut faire? Bah, continuer de survivre. Ouais, mais on a ce qu'il faut là. Faut qu'on mine peut-être. Bah ouais. T'aurais pu faire des pioches. Hein. Bah, je peux si tu veux. Hein. Pioche en fer? Non, pas en fer. En fer, j'ai préféré faire le saut d'abord. Ah, on mine directement ici, quoi. Pourquoi pas? C'est plus sûr, non? Ouais. Et on laisse à chaque fois un carreau, un bloc pour remonter, parce que comme ça, si on se fait courser, on a le temps de remonter et de les taper le temps qu'ils montent, eux. Oh! Il y a un trou, là. Avec de l'eau. Ok. T'as encore des torches? Ouais, 14. Place-en un peu là-bas. Ouais, mais il y a de l'eau. C'est pour ça que je voulais pas en mettre. Ouais. Ah, j'ai une super idée. Bon, c'est sans issue, Nico. Il n'y a pas de mob. Mais pour éviter que ça spawn, je préfère quand même mettre des torches. C'est quoi ton idée, Thierry? Thomas, évite de respirer un peu, s'il te plaît. Enfin, ok. Évite de respirer dans le micro, quoi. Ah. Ouais, une deuxième source. Là. Mais les coupe pas, hein. On va les garder. Eh, regarde. Mais Nico. Qu'est-ce que tu fous avec ton casque, là? C'est quoi comme casque? C'est en cuir. Tu l'as dû où? Tu l'as eu d'où? Bah, je l'ai colorié en blanc. Tu savais pas qu'il y avait 8 millions de couleurs pour le casque? Il est où? J'ai rien compris. Là, je suis là. Oh! Stylé. Bon, on a fait quoi de nos vaches là? Je sais pas quoi. Bah, va falloir les nourrir et il va falloir leur donner du foin. Ah ouais? Oh, on est même à l'abri de la pluie, quoi. Et à chaque fois, faudra en tuer une ou deux histoire de subvenir à la boue. Ouais, mais là, j'ai assez en termes de steak. J'en ai eu 9. Je vais bah, les cuire, ouais. Comme ça, on en a 8 qui sont déjà cuits, tu vois. J'en fais que un parce que sinon, si je fais tout, bah, tu utilises un charbon pour rien, on va dire.
Je le mets, je le range, tu vois, et on prendra le charbon de bois, donc comme Thomas il a dit, rien que pour la bouffe. Pourquoi j'ai posé ça? Mais charbon de bois, voilà quoi. Charbon de bois, c'est vite fait, hein. Ouais, mais même. C'est du bois pur à chauffer. Ça. Oh, enlève le livre enchanté. Il est passé où? Je l'ai pris, je vais le jeter. Ah, ok. Parce que c'était quand même. Je l'ai balancé juste pour tout. Comme ça, quoi. Ah, bon. C'était. Voilà. En fait, on a une super grande caverne. Heureusement. Ouais, ouais. Sois content. Oh! Putain, c'était quoi ça? Un creep. Ah, le salaud, il m'a pété à la gueule. C'est bon, Nick, j'ai pu tout récup. Merde, elle était où la maison maintenant? Ah, on redémarre pas à la maison? Non. Mais normalement, t'as juste à cliquer sur le bas du lit, hein. Ouais, mais chez moi aussi, ça a été écrit résidence définie. Ouais, moi aussi. Mais au pire, mets le home, quoi. Vas-y, ouais, je vais mettre un home. Tu m'as sauvé la vie, là. Il y avait une araignée qui me maltraitait. Alors, slash home. De toute façon, au pire, t'as l'habitude. Vous n'avez pas accès à cette commande. Set home. Ah oui, ouais. Attends, au pire. Vous n'avez pas accès. C'est. Voilà. Non, putain. Ah, bien. Je sais pas. Ah, voilà, résidence définie. Non, mais Thomas, évite. Quoi? Mais pousse le micro, puis on peut se créer, il revient sous ton nez à chaque fois. Ah bah non, il n'y a pas de... Attends, je vais essayer de le refaire encore un double. Nico, les pierres que t'avais, je les ai mis dans le coffre. Il y a eu un bébé mouton. Ouais, et ma pioche, mes pioches et tout et tout et tout. Pourquoi tu les as fait sortir? J'en ai fait sortir aucun. Bah, oh ils sont dehors. Ils baissent encore. Oh. Essaye de tous les faire entrer. Ils vont juste essayer de sortir là. Bravo, il y en a un qui est passé. C'est normal, ils regardent pas le blé. Ils voient pas le blé. Juste le petit. Mais il y a les vaches qui poussent comme des veaux là. Allez, petit bébé. Mais Thomas, réagis, prends de la pierre et bloque les sorties. Et voilà, oh. De nouveau une vache qui s'est barrée. Vous êtes bon, vous. Hein. Mais non, il me regarde comme un pédobert. Mais vas-y, fais les rentrer dedans. Ok, attends. Faut agrandir l'enclos, je crois. Là. Oui. Il y a un squelette qui se ramène, hein, fais gaffe. Et là, Tom, là. Ah. Cool. Je le fais. J'ai une épée, laissé. Où là? Vas-y, c'est qui a laissé échapper? Non! Ils s'échappent tous, mais... Ah! Mais OMG, pourquoi tu ouvres la porte? Nous, on a juste à sauter par-dessus. Nick, retiens-les, je vais foutre de la barrière partout. Oh, mais Thierry, t'es con, toi, hein? Mais c'est pas moi, eh. Ah mais les bébés, punaise, Thomas, dépêche-toi. Mais mets de la barrière en haut. C'est que je les attire tous. Attends, il y avait un squelette. Putain, lui, il m'empêche de la mettre maintenant. Mais tu t'en fous, Tom, voilà. Putain, réfléchissez, nom de Dieu. Et moi, je les attire tous, c'est l'entrée, elle est pas assez grande. Il fallait deux de trucs, parce que sinon, regarde, t'as vu, là, ils rentrent mieux avec deux. T'as vu? Ils viennent tous. Ils sont tous là au moins? Non, il manque une vache. Bah, elle est morte. Ah ouais? Bah oui. Il y avait un squelette, personne n'a remarqué et ils l'ont dégommé.
Ah si, moi je l'ai remarqué. Hein. Par contre là, Tom, c'est pas bon ce que t'as fait. Hein. Regarde, si nous on peut passer, eux aussi ils peuvent. Hein. Voilà. Mais s'ils sont à l'intérieur, ils peuvent pas. Ouais, agrandissez l'enclos. Oh, ça va, on a récupéré presque tout. Hein. Rien tout. Dis que c'est toi qui as la porte. Bah ouais, eh. Bah mets-la. Où? Ah. Bah, mais ouais, mais il faut d'autres places. Mais non, un, ça suffit largement. Mais non, ils arrivent pas à rentrer, je te le dis. Et tu veux faire comment? La porte, elle peut s'ouvrir que sur un. Mais non. Si, si on en met deux après, ça marche pas. Vas-y, Nick, mets-la. Et comme ça. Je suis un bon, moi. Mais si, ça marche sur deux. Faut juste en faire deux. Hein. Bah, je vais essayer d'en faire deux, alors. Et moi, je te dis que ça marche pas quand on met sur deux. De toute façon, ils peuvent sortir. Parce que s'ils font Yamakasi comme moi, ils peuvent sortir. Je suis votre maître. Écoutez-moi. Venez vers mon blé. Ah! Bon, j'essaye d'en faire sur deux, hein. Vas-y. Ferme, Tom. Allez, viens sortir. Ouais. Oh oh, il y a un Enderman. Où? Il y avait la poussière de l'Enderman. Peut-être simplement j'ai halluciné, mais... Mon lit, il est exactement situé au nord. Je peux pas dormir, moi. Faut le rapprocher. Comment on peut faire les grandir, les bébés? Je faut attendre. Ouais, mais seul, si, ouais. Y a un truc pour aller plus vite. La poudre d'œuf. Si, je crois, en plus. T'essayes, t'imagines. Ah, comme ça, on veut se les faire. Ah, ils peuvent pas sortir quand c'est en hauteur. Ah, si, c'est... regarde. Il y en a déjà une qui est là. Elle essaie de te faire le petit... La cour. Hey. Mais... Par contre, s'ils sont intelligents, ils peuvent toujours sortir. Ouais, ouais. Mais ils sont pas intelligents. Regarde. Tu montes là, et tu fais hop, et t'es dehors. Ouais, mais ils pensent pas le faire, ça. C'est des débiles. C'est des vaches, quoi. Mais dans le doute... Mais j'ai des barrières encore un petit peu. J'en ai trois. J'en ai encore deux. Ça suffira, non, je crois, trois, non? C'est bon, là, ils sortent plus, là. Au cas où. Parce que si c'est des super cochons et je ne sais quoi... Non, non, c'est bon, ils peuvent plus sortir. Des super cochons alors qu'il n'y a pas de cochons. Yeah. Bon, on arrête là. Ok. Ouais, si tu veux. Enfin, ça fait déjà deux bons épisodes. Voire ouais. Trois. Attends. Voilà. Donc, Tom, dis le mot de la fin. Pourquoi moi? Je sais pas, moi. Tu veux que je dise quoi? Bah je sais pas, quoi. Tu dis au revoir. Au revoir. Magnifique.
C'est juste qu'ils le verront. Hein. De quoi? Non, 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 pas toi. Ils le verront pas. Ok. Ah ouais, ça ne bouge pas. Vas-y. Ouais, bon, bah, pour finir sur cet épisode, je sais pas, on se retrouvera au prochain alors. Voilà. Dans le prochain épisode, on continuera de survivre, d'agrandir notre petite maison. Déjà créer notre maison, parce que là, on n'a pas vraiment de maison. On n'a qu'un stupide abri. Ouais, mais enfin, on va commencer à faire de la sculpture de la roche et augmenter notre bétail, qui ne tarderait qu'à augmenter, je pense. On va, terminer notre élevage. Terminé Ah, d'accord. On va commencer. Ah, parce que terminé, c'est-à-dire tu prends tout et tu tues. Bref, à la prochaine dans un prochain épisode.